Et salut, salut. Allez, on est de retour sur Lie of P. Compagnie de Pinocchio. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday. The singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's getting a little depressing. Oh, y a un petit côté Sacré-Cœur. Vous avez été au Sacré-Cœur sur Paris, vous verrez ce que je veux dire. Les petites rues adjacentes, tout comme ça là, c'est sympa. Sympa, sympa, avec ouais, le petit côté opéra et tout. Je dis oui. Allons-y. On a quelques petits trucs sympas là. Ah. Petite quête. Bonjour. Friend, I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a moment's peace, even an elderly lady like me. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. Which reminds me, I could use a proper tipple. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the Ruby of the Heavens. I'm sure there's still some left in the wine cellar at Lorenzini Arcade. You're an enterprising lad. Bring it to me and I'll give you something nice in return. Okay. Donc, dès qu'on arrive dans un truc à vin, dans une cave à vin ou un truc du genre, pim. On peut pas aller par là. L'appareil fermé. Olé. Ok. Ah, il récupère de la vie. Regardez-moi ça. Aïe. Il a le temps de me toucher, hein. Faut bien laisser charger l'arme. Ok, bon.
pouvoir redescendre, hein. Regardez avoir quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, alors peut-être que c'est moi après. Ouais. Bonjour madame. Madame si. Ok, bon. C'est quoi ça? Ok. Il y en a un autre là-bas. Ok, il faut vite les exploser apparemment. Moi je dis allons-y. Ah, j'ai pas de grappin. Bon, il y a l'air d'avoir une porte derrière, on peut les prendre par revers apparemment. Bonjour. Oh, what a beautiful puppet you are. I can hear your springs even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to sing for me like your friends? I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Let's have an encore performance of pain. Dedicate this performance to my sister Adelina. Okay. Joli, joli, joli. Ok, tu me... C'est sensible ou pas au feu? Un peu. Oh! Joli. Ok, ça va être un combat d'endurance. Pas mal. Là, c'est vraiment l'arme qui exprime vraiment la France, quoi. La rapière. Joli, 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 joli. Cette attaque là, en vrille. Ah,
Tu es embêtante, Micheline. Va te le dire. Alors ça? Vas-y. Oh. Excellent. Peut-être que j'arrête de jouer là. Voilà. Ok. Il a disparu. Bon. Alors, on va voir. M'attendais à avoir de l'équipement ou un truc comme ça, mais apparemment non. Alors attends, on va aller se régène. Oh. Ultimate Stargazer. Voilà. Voilà. On commence avec un petit mini boss. Pas trop dur, on va dire. Et ça fait quasiment une semaine que j'ai pas joué, donc ça remet un petit peu l'étrier tranquillement. On va pas les faire. On est venu juste ramasser le truc là. Et puis il y a pas grand chose, hein. C'est vraiment. Quand on a récupéré une petite arme, je propose qu'on regarde ce que c'est que cette arme. Ah. Ouais. Pour l'instant, mon arme préférée c'est celle-là. Qu'on aura des armes un peu plus variées. Faudra voir de toute façon. Alors là, ça a l'air fermé. Oh. You're walking about in a place like this. You must be a stalker. Can I ask you a favor? My wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire, and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Okay. Thank you. Small kindnesses like this give me something to claim. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. Bon, ça nous fait deux quêtes qu'on peut faire. On va peut-être les faire dans cet épisode, je sais pas, on va voir. On a même pas besoin de regarder la map, hein, puisqu'on n'a pas vraiment de description, c'est juste de la mémoire. Je trouve d'ailleurs que les quêtes sont beaucoup là à retenir. Oula. J'en étais sûr qu'il y aurait un. On aurait peut-être dû prendre le grappin. Le grappin aurait été clairement plus adapté, je pense, là. Ok. Oh oh. Ouais, que je pense à bloquer, je bloque jamais. C'est une grosse erreur.
suis juste à faire ça. Ah, j'aurais mis une grosse boule qui tombe. Juste pour le principe. Mais j'ai envie de descendre. Ah, attends. Est-ce que je descends ou est-ce que... Au pire, on reviendra en arrière, vous savez quoi. Ah, hop. Je pense qu'on est dans la rue Rosa, là. Bonjour. Waouh. Ok. Oh, le mur. Oh, l'enfer. Mais, je pouvais rien faire. J'étais stun en permanence. Que quand même 12 000 âmes, ouais, ça... Non! Pas ça que je voulais. Oh là là. Voilà, c'est ça qui m'a battu, quoi. Ok, bon. Par contre, j'ai claqué un ulti sur elle. Donc. On va peut-être pouvoir ouvrir une porte là ou un truc comme ça, à voir. Qu'est-ce que je pense? Voilà. Je vais aller prendre le... Je vais changer le bras. Prendre le grappin. Changer le bras de Légion. On va reprendre celui-là, mon préféré. Et on va aller en bas avant de continuer en haut. Juste parce que ça me trigger en fait ce qu'il y a en bas. J'aurais pu... Ouais. Les âmes, ça va attendre. Donc, peut-être mourir, hein. J'arrivais pas à calculer la distance, en fait. Là, bon. Oh, cela nous ramène. Ah, saloperie. Malin, 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 malin. On aime ça, on aime ça. Donc. J'ai l'impression qu'on est revenu dans l'usine. Mince. Ok, bon. Je suis coincé. Je suis coincé. Voilà. Ouh. Yoï. Yoï.
Va chercher ce qu'il y a dans le coffre là-bas et barre-toi. Parce que je suis pas obligé de le faire. Oh, c'est juste. Juste un fucking quartz. Bon, c'est pas grave. Aïe. Oh. Ok, bon bah, on a la réponse. Je suis même pas déçu, vous voyez. Je suis pas déçu, de toute façon, il fallait l'ouvrir, donc là, juste à me soigner. Et du coup, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer dans le coin, ce qui est pas plus mal. Bonjour. Bon, j'en ai explosé une, il y en a une qui s'est fait exploser, mais la range n'était pas assez longue pour elle. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Aïe, d'où ça tire? Ah, d'en haut. Ok. Ok, bon. Ouais, 4 coups, faudrait que j'arrive à en donner 6. 6, là, je serais méga confort. Parce que ça me permettrait d'enchaîner. Même 5. 5 en fait. Pas besoin de plus. Là j'imagine qu'il y a le corps de la. Dans le coin. Là-bas il y a une. Oh. On peut aller par là. Là, elles sont tellement crépies. Alors, donc là, ouais, là, on a fouillé tout ça. Ah, écoute, on va descendre en bas. Hein. We found it, the black dress. Okay. Ouais, ok. L'homme est peut-être une marionnette aussi, hein, à ne pas sous-estimer. Ok, là on ouvre la porte qu'on avait vue tout à l'heure. Ok, ok, ok. Il manque la bouteille de vin et on pourra aller rendre. La bouteille. Les coquins. Bon, il n'y en a pas deux. Ah bah, je suis mort. Alors, il va falloir rush. L'autre qui se ramène, on va peut-être, je dis bien peut-être, l'esquiver.
Voilà. Cours, Yuri. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie, c'est pas grave. Marionnette clone, je suis pas sûr d'être de... Je suis pas sûr que voilà. Eh merde. Je peux staguer là. Alors attends. Faire ça vu que tu veux pas me. C'est vrai qu'il est un peu creepy hein, ce clone. Il est un peu creepy ce clone. Voilà, on va le faire à ma façon. Ne vous inquiétez pas. Aïe 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 aïe. Quel enfer, mais quel enfer. Bonjour. Bon. On ne s'arrête pas. Ce boss a une range et il envoie des patates. Là. Faut vraiment que je fasse attention à ma... à ma vigueur, parce que là, s'il met la moindre patate, ça fait très très mal. Là. Pourquoi je veux pas? Ok. Là, ce petit bout d'herbe frais là est très très bien. Tiens le dire. Ah mais, vous voyez, interminable. Si vous n'avez pas d'endurance, vous allez prendre très très cher. Là. Là, ouais, là j'ai joué un peu avec le feu. Là j'ai joué avec un peu le feu. On va recharger son arme tranquillement parce que il a l'air un petit peu. Il a l'air un petit peu énervé là. Hop là, il est un petit peu plus rapide. A l'air un petit peu plus rapide, Michelin. Aïe.
Vraiment, la longe de ses coups est... C'est peut-être la chose la plus... La plus relou, on va dire. Là, voilà, là, il est actif. Là, il veut faire une dinguerie. Voilà, il fait ta dinguerie. Là, c'est moi. Continue comme ça, c'est juste un combat d'endurance. En fait, c'est les boss qu'on a, hein, c'est vraiment de l'endurance. Faut juste que je fasse gaffe à pas être coincé. Voilà. Allez, au revoir. Bon, c'est un des boss les plus durs que j'ai eu à affronter jusqu'à présent. J'ai subi du mieux à reprendre 6 ou 7 fois là. Ouais, très chiant à cause de sa range. Simplement, et aussi la puissance de ses coups. Du coup, belle opéra. Oh, ça sent le boss quand même bien énervé. Ça sent vraiment le boss bien énervé là. Musique pour nous accueillir. Ok. Eh ben les filles, vous êtes Tandax. Est-ce que c'est le bon mot? J'en sais rien, mais. Alors là, les araignées. Ok, c'est marionnettiste à gogo ici. Est-ce qu'on tente une araignée juste pour voir un petit peu ce qu'elle fait? Ok. Aïe! Bon, c'est pas grave, pas grave. On arrive. Au moins, comme ça, on dispère là, ce truc-là. Ah! Ok. Disruption. Je sais pas ce que c'est, les attaques de disruption, mais en tout cas, ça m'a l'air. Ça m'a pas l'air très très sympathique. Hein. Wouah! Bon, au passage, hein, le lieu est plutôt chouette. Crépi comme on aime. Ok. Là, on a ça. Je vais speedrun. Pas grave si je meurs, honnêtement. Les âmes, on part sur le fait qu'on peut les perdre. Peut-être que je devrais les consommer, mais honnêtement, ça peut attendre. Amulette de technique. Aïe. Ok. J'arrive pas à la cibler. Là, dans les couloirs, c'est toujours. Même dans Dark Souls, hein, c'est la même chose. Hein. Dans n'importe quel Souls-like, dès qu'il y a des couloirs. Alors.
Oui, ça essaye de me téléphoner. Bon, je vais crever, c'est pas grave. Je reviens. Alors, voyons voir un peu. Je pense que ça, c'est la... Voilà, raccourci. Et du coup... On adore ça. Ah, on est directement au boss, apparemment. Bon. Est-ce que avant on fouille pas? On fouille avant. Bah ouais. Bah ouais, quand même. Bon, il me faudrait une clé, en fait, là, je crois. C'est vrai que j'ai pas retrouvé de cabine téléphonique... Alors attends, on va faire comme ça. Essaye de voir un petit peu toutes les portes qu'il y a à ouvrir. Oh! Bonjour! Ah, est-ce que c'est haut? Oh, ça m'a l'air haut. C'est ce que je pense. Oh! D'accord. Ah oui. Ah oui. Pas de prise de tête. Oh, j'avais pas vu le... Voilà. Et là, j'imagine que on revient. Alors, est-ce que je... Oui. Voilà. Après, on redescendra. J'ai envie d'aller voir les butins. Ah bah voilà, voyez. Réceptacle cryptique. Bon. J'ai envie d'y aller. Ah, c'est énervant. Ok, il y a un truc là. Comment on fait? Ah, d'accord. Hop. Perd un petit peu de vie à chaque fois, c'est chiant, mais bon. Donc, patience. Bon, allez hop. Voilà. Nouveau boss. Peut-être le roi des marionnettes, on va voir. Très curieux. Let's go.
Oh, Geppetto qui prend le cœur de Pinocchio. Ok. Pour donner vie au roi des marionnettes. Sympa! Ouais, bon, il a une bonne dégaine de roi, hein, clairement. Ok. Il a l'air d'avoir une range. Il me rappelle un petit peu le premier boss qu'on affronte au niveau de la. Ok. Ah, on peut se protéger dans sa hitbox apparemment. Ok, P1 fini. Oh. Ok, il s'agit de moi. On dirait un.
Ah! Ah! Ouh! Ah, tenue de cérémonie, prince marionnette, collier de quelqu'un. Incredible! You defeated the king! Oh! I gotta think the puppets will have changed too, right? There's only one way to find out. Let's go backstage. Alors c'est marrant parce qu'il y a des coups qui sont passés un petit peu dans le vide, je sais pas, pas si normal. Hein. Mais il y a des coups qui sont pas passés de mon côté, ainsi que du sien. Bon, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, il semblerait que ce soit le... On va ramener la marionnette à l'autre, là. J'ai pas la bouteille de vin, par contre. On verra ça plus tard. On va au moins rendre une quête. On va au moins rendre une quête, comme ça, ça sera fait. Et je crois que c'était... je crois que c'est là, hein. Rosa Isabelle. My melody. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Who ever heard of a human and a puppet? J'ai vu les messages qu'elle a laissés, qu'elle vous aimait. Oh, Melody. My Melody. Your words were everything to me. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please, remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Alliance, tristesse. Ok, ok. Et on va aller voir, parce que ça se trouve, j'ai ramassé un truc qui a. Il y a un truc là, on va aller voir. Se téléporter, et il me semble que c'est là, ouais. Ah, mais Yuri! Voilà! Mais oh! Hop là! Bon! Hop là! Ah, je crois que c'est là. Cavelin de la Blaise. Ok. Bah on n'y a pas été, on n'y a pas été. Bah vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures sur l'IOFP très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, zou. À très vite.